Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très bonne information qui concerne The Taken King. Il faut savoir que le site Game Informer a encore sorti une interview de deux développeurs de chez Bungie. Ils expliquent qu'en gros, The Taken King sera vraiment très axé sur le côté scénario. Ça, on le savait déjà, ça avait déjà été annoncé auparavant. Par contre, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est tout simplement le gameplay qui était présenté. On y voit un fusil automatique cryo-électrique, mais vraiment très joli. Donc, il ressemble à aucune arme qu'on connaissait auparavant sur Destiny. Il est vraiment magnifique, vous le voyez, avec 32 balles dans le chargeur, jusqu'à 301 balles hein, en réserve. Donc, on ne sait pas encore si c'est une arme légendaire ou une arme exotique, mais elle est vraiment très jolie avec le petit viseur qui fait penser un petit peu à la MP40 dans BO1 et un design qui pour moi fait penser un petit peu à l'AK-47 ou à l'AKU pour ceux qui ont joué à Black Ops également. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme dans les commentaires, je la trouve vraiment très jolie. Alors il faut savoir que sur le gameplay, bien entendu, elle n'est pas améliorée, donc on peut pas voir réellement les dégâts qu'elle peut faire. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de looter ces armes, ça fait du bien d'avoir vraiment un gros coup de neuf sur Destiny, ça fait vraiment plaisir. Vivement le 15 septembre, je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss!